السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بحمد الله عز وجل وفضله وإحسانه أتممنا دراسة رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخواني، وبما أن شهر رمضان قد قرب سنأخذ إن شاء الله تعالى درسا يتعلق بصيام شهر رمضان وبعض المسائل المتعلقة به، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشد. قال غاز الله سبحانه وتعالى On a fini l'étude du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Et vu que le mois de Ramadan avance à grands pas, nous allons maintenant étudier Fiqh Ramadan, les questions de jurisprudence concernant le jeûne du mois de Ramadan. Avant cela, on remercie, on invoque Allah Azza wa Jal pour tous ceux qui s'entraident avec nous dans ce masjid, que ce soit ceux qui s'occupent de la mosquée, ceux qui viennent prier à la mosquée, que ce soit les habitants de cette ville ou des villes voisines, et l'ensemble de nos frères et sœurs qui viennent dans cette mosquée afin d'adorer Allah Azza wa Jal. Aussi on invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous ceux qui dépensent pour acheter les livres fi sabilillah pour nos frères et sœurs. Et de nombreux cadeaux nous parviennent, que ce soit des siwak, que ce soit après le retour de la Amra de nos fidèles. فنسأل الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين الحي القيوم أن يثيبهم خيرا ويغفر لهم ذنوبهم ويصلح أمورهم ويصلح ذرياتهم. Donc on invoque Allah Azza wa Jal pour tous ces gens-là. On lui demande de réformer leur famille, leur descendance, de leur pardonner leurs péchés, de leur accorder le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le sujet qui était prévu était كَيْفَ نَسْتَعِدُّ شَهِ رَمَضَانِ لِشَهِ رَمَضَانَ وَلِسِيَامِ شَهِ رَمَضَانِ. Le sujet que j'avais prévu était comment se préparer pour jeûner le mois de Ramadan, comment accueillir le mois de Ramadan. مِنْ قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. La maladie ne me permettant pas de développer ce sujet, on va sauter cette étape et passer directement à Fiqh Ramadan.
فالصيام ما معنى الصيام لغة في لغة العرب؟ معناه الإمساك، معناه الإمساك. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Tout d'abord, nous allons expliquer le sens du mot as-siyam, le jeûne. Premièrement, linguistiquement, dans la langue arabe, as-siyam signifie al-imsak, c'est-à-dire la retenue. Dans la langue arabe, le mot as-siyam signifie la retenue. Le fait de s'abstenir de faire une chose s'appelle dans la langue arabe as-siyam. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans sourate Maryam un verset où le mot as-sawm a été utilisé dans son sens linguistique. Et dit, ou bien dit Allah, j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Le vœu de jeûner dans ce verset signifie l'abstention de toute parole. Et cela nous est démontré par la suite du verset. Falan ukallima al-yawma insi. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Donc le siyam dans ce verset, as-sawm dans ce verset, c'est as-sawm ay al-imsak 'an al-kalam. Donc c'est le fait de s'abstenir de parler. Tu dis dans la langue arabe sawm al-ibil. Le chameau qui s'arrête d'avancer, tu dis sawm. Voyez. Donc as-siyam dans la langue arabe signifie al-imsak, la retenue. Le fait de s'abstenir de faire une chose. Et dans 99% des cas, le sens linguistique est plus général que le sens religieux. Le sens religieux, c'est le sens linguistique qui a été délimité par certaines particularités. Wal'an, ma ma'ana sawm shar'an. ما معنى صوم شرعا؟ قال أهل العلم: هو التعبد لله، هو التعبد لله من شخص مخصوص بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والتعبد لله من شخص مخصوص عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Les savants ont défini as-siyam religieusement par plusieurs définitions. La meilleure étant: c'est une adoration. Afwan. C'est une adoration vouée à Allah par une personne particulière. Par une personne particulière consistant à s'abstenir de manger, de boire et de tout ce qui peut annuler le jeûne de la personne. Et de tout ce qui peut annuler le jeûne de la personne. Et cela de l'aube. Et cela de l'aube, du fajr, jusqu'au coucher du soleil. Et cela de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En d'autres termes, du fajr jusqu'au maghrib.
Voici la définition du jeûne. Donc, on va voir cette définition et la comprendre. Premièrement, c'est une adoration. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants ont dit que le fait de dire At-ta'abbudu lillah est meilleur que de dire ma'aniyya, avec une intention, car c'est plus précis. As-sawm doit être obligatoirement accompagné d'une intention. Quelle est cette intention? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce mot, on exclut toute personne s'abstenant de manger, de boire, du fait jusqu'au maghrib, mais ayant recherché autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, celui qui s'abstient de manger, de boire, du fait jusqu'au maghrib, mais l'ilhimiya, pour faire un régime, est-ce qu'il aura fait un sawm religieux? Religieusement parlé, est-ce qu'on peut appeler ça siyam? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque la première partie de la définition At-ta'abbudulillah. Celui qui jeûne par habitude, celui qui jeûne pour pas qu'on dise que ma'adha qu'il a mangé, par honte, par habitude, ou parce qu'il se dit je suis yani, un Africain ou un Arabe, donc je dois jeûner. Il ne jeûne pas pour adorer Allah Azza wa Jalla. Celui-ci, cette personne-là n'a pas jeûner un jeûne religieusement accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est wala? Donc la première mas'ala, at-ta'abbudu lillah, c'est une adoration. C'est une adoration. Min shakhsin makhsous, accompli par une personne particulière. Quelle est cette personne particulière? Al-mukallif. Al-mukallif, c'est la personne qui est responsable, religieusement parlé. Et l'explication de cela va venir, inshallah ta'ala, dans Shurut al-Wujub. Donc la personne responsable, qui a la raison, et ainsi de suite. Taïr. At-ta'abbudu lillah min shakhsi makhsous bil-imsak an al-akli wa shurbi wa sa'iri mufattirat. Donc cette personne particulière adore Allah Azza wa Jal. D'accord. En quoi consiste cette adoration? Al-imsak. An ma'adha? Al-mufattirat. Al-umur allati tufattiru sa'im. Donc, en quoi consiste al-siyam? Le fait de s'abstenir, de manger, de boire, de relations sexuelles et de tout ce qui peut annuler le jeûne de la personne. Et de tout ce qui peut annuler le jeûne de la personne. Al-Mufattirat, sur un chapitre qu'on étudiera, Inch'Allah Ta'ala. Ce jeûne-là, religieux, a un temps dans lequel il doit se réaliser. Lequel? Al-Fajr, ou min al-Fajr, il al-Maghrib. Du Fajr au Maghrib. Certains savants disent Al-Fajr al-Sadiq pour exclure Al-Fajr al-Kadhib bima'a alladhi kana yu'adhdhiru fihi Bilal kana yu'adhdhir fi al-layl fa ibal al-adhan al-awwal. Donc al-sawm commence du Fajr, d'accord, de l'entrée légale de l'heure de la prière de l'aube, pas dans la nuit. Pas dans la nuit, mais à la sortie de la nuit. À la sortie de la nuit. Et il s'interrompt au coucher du soleil. Donc à l'entrée de l'heure du Maghrib. À l'entrée de l'heure du Maghrib. De cette définition, on tire une chose très importante. Rukunay as-siyam, les deux piliers du jeûne. Donc, après avoir vu la définition du jeûne dans la langue arabe,
puis religieusement parler, nous voyons ici les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne. Sachez, havadakumullah ta'ala, que les piliers du jeûne sont au nombre de deux. Les piliers du jeûne sont au nombre de deux. Le premier pilier, al-imsak, l'abstention de faire ce qui corrompt le jeûne de la personne, ou plutôt la nuit. Le deuxième pilier, an-niyya, l'intention. Le deuxième pilier, an-niyya, l'intention. Idhan al-imsak wa an-niyya huma sharta ma dha rukna as-sawm. Donc al-imsak wa an-niyya sont les deux piliers du jeûne. Sont les deux piliers du jeûne. Avec l'intention, la personne définit son action comme étant une adoration. Avec l'intention, la personne purifie son cœur de rechercher l'agrément de tout autre qu'Allah à travers son action. Et avec son intention également, elle va distinguer une adoration, une action banale, terrestre, d'une action religieuse. D'une action religieuse. Avec son intention également, elle va distinguer les adorations les unes des autres. Les unes des autres, ce qu'on appelle niyatut tamyiz. Par exemple, celui qui se lave les mains, car ses mains sont saintes, ça n'est pas une adoration. Une autre personne se lave les mains dans le wudu. Il fait exactement la même action. Pourtant, le premier n'était pas en train de faire une adoration, le deuxième fait une grande adoration par lesquelles Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés. Quelle est la différence entre les deux? Un niyya, l'intention. La personne prie salat al-dhuhr, puis salat al-asr, elle fait exactement les mêmes gestes. Elle fait exactement les mêmes gestes du début de la salat à la fin de la salat. Qu'est-ce qui distingue ces deux salats? Le même nombre de raka'a, le même nombre de ruku'a, et ainsi de suite. C'est un niyya, c'est l'intention. Niyya tout tamyiz. C'est l'intention qui marque la distinction des adorations les unes des autres. Voici pour les deux piliers. En ce qui concerne la preuve, قال الله سبحانه وتعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Dans sourate Al-Bayyinah, comment est-ce qu'il a traduit en français? L'épreuve, la preuve. Allah Azza wa Jalla nous dit, il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah d'un culte exclusif. De ce verset, les savants ont tiré l'intention, l'ikhlas, la pureté de l'intention. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Et l'intention est une condition dans l'acceptation des actes d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, comme on l'a étudié dans le cinquième hadith d'Al-Arba'a al-Nawawiyya, on l'a cité à deux mains reprises, wallah alhamd, c'est al-mutaba'a. Alhamdulillah. Donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la deuxième condition. Celui qui agit sincèrement pour Allah azza wa jal
et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui va accepter son action auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. مسألة أخرى الأمر الثالث ما حكم صوم رمضان. Troisièmement, quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan? Al-wujub, c'est l'obligation. C'est l'obligation. من باب الفائدة الأحكام التكليفية خمسة. Et pour augmenter de la science à notre science, sachez que les jugements sur la personne responsable sont au nombre de 5. Al-wujub, ou wajib, mandoub, mubah, muharram, wa makruh. C'est ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifi. Son nombre de 5. Premièrement, l'obligation. Deuxièmement, la chose recommandée. On dit mandoub, c'est connu sous le nom de mustahab. Dans le livre de Usul Fiqh, on trouve mandoub. Ensuite, mubah, permis, la permission. Puis, muharram, l'interdiction. Et finalement, makruh, détestable. Détestable. Al-wujub ma amara bihi shari' amran jaziman, la ala sabil at-takhyir. Ce qui est obligatoire, c'est ce que le législateur nous a ordonné. D'accord? Sans nous laisser le choix dans le sens, c'est pas si nous voulons, nous pouvons le faire, et si nous voulons pas, nous ne le voulons pas, on peut le délaisser. Non, c'est obligatoire. La personne qui fait et remplit son obligation en recherchant l'agrément d'Allah se verra récompensée. Et celle qui la délaisse ne pourra mériter un châtiment. Al-mandoub, c'est la même chose, sauf que celui qui le délaisse n'encourt pas une punition. Ensuite, al-mubah, qu'il le fasse ou pas, il n'a ni péché ni récompense. Ensuite, al-muharram, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit. Et celui qui commet cette chose pourra recevoir une punition. Et celui qui délaisse cette chose à la recherche de l'agrément d'Allah se verra récompensé. Biljumla. Puis al-makruh, la chose détestable, c'est comme al-muharram, si ce n'est que la personne qui commet cette chose-là n'encourt pas de punition. Taïb, après avoir compris cela, as-siyam, ça rentre dans quoi? Ou al-wujub, c'est une obligation. أما منزلته في الدين هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. Donc c'est une obligation, mais plus encore, sa place dans la religion, c'est que c'est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند البخاري بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. طيب. وفي حديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Et dans le hadith Jibril, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: l'islam, c'est le témoignage de la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Il lui répond, il lui a dit, tu as dit vrai. Aussi, le hadith de Talha ibn Ubaidillah, جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
lorsqu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ébouriffé, bien la tête ébouriffée, il lui dit: Ya Rasulallah, akhbirni mimma faradallahu alayhi min as-sawm. Ô messager d'Allah, informe-moi de ce que Allah m'a ordonné comme jeûne, m'a rendu obligatoire comme jeûne. Qalahu shahr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Qalahu awa alayya ghayr, est-ce que j'ai l'obligation de jeûner autre chose que ce mois? Qalahu la illa an tatawwa. Il lui a dit non, sauf si toi tu veux ajouter volontairement. Sauf si tu veux ajouter à cela. C'est un hadith qui est dans le cas de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Wa ajma'a ahlul ilm bal al muslimun ala fardiyati sawmi shahri ramadan. Il y a le consensus de l'ensemble de la communauté sur le fait que le jeûne du mois de Ramadan soit une obligation. Son jeûne est une obligation. الأمر الرابع quatrième chose que nous voyons ici, أقسام الصيام أقسام الصوم, la division du jeûne. الصوم ينقسم إلى قسمين الواجب والتطوع. Il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne obligatoire. Il y a trois sortes. Et il y a le jeûne surrogatoire. Il y a plusieurs sortes. Donc le jeûne se divise en deux. Al-wajib, jeûne qui est obligatoire. Wat-tatawwu', le jeûne qui est surrogatoire. Le jeûne qui est obligatoire, il y a trois sortes. Il y en a trois sortes. Évidemment, en Ramadan, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Deuxièmement, al-kaffarat, les expiations. Les expiations, des dommages. Personne qui fait telle faute, on lui dit tu dois jeûner. Comme le fait de jeûner deux mois consécutifs pour celui qui dit à son épouse tu m'es interdite comme le dos de ma mère. D'accord, FDA, comme on voit dans Surah Al-Mujadila. Taïm, pour celui qui n'a pas Mada pu affranchir un esclave, ou comme celui qui a eu des rapports durant la journée de Ramadan alors qu'il avait l'obligation de le jeûner. Qui n'a pas pu affranchir un esclave, il devra jeûner deux mois consécutifs. Tout ça, c'est des kafarat et c'est obligatoire. Troisièmement, qu'est-ce qui... c'est la réponse. Hein? Celui qui répond, on lui offre des livres. Al-Nadr, hein? Le vœu, le serment. Donc Al-Nadr, que le mukallaf se rend obligatoire une action qui ne lui était pas avant cela. Il dit par exemple lillah alay an asuma ma'za yawm al-ahad. Par exemple, je fais le vœu de jeûner le dimanche à venir. Par exemple, ça c'est un vœu, tu te rends obligatoire une adoration qui ne te l'était pas auparavant. C'est ce qu'on appelle an-nadhr. On a étudié cela en détail dans l'explication de l'usul salat. Vous voyez? Et ça n'est pas recommandé de faire cela. Il y a de se rendre obligatoire aux adorations. Celui qui veut faire une adoration, qu'il la fasse. Celui qui veut faire une adoration, qu'il la fasse. Mais le mieux est de délaisser an-nadhr. Vous voyez, en ce qui concerne le siyam, asam tatawwu', jeûne surrogatoire. Qu'est-ce qui peut me citer des exemples? Un exemple. Le jeûne de Daoud. Un tourne Ubbad. Vous êtes des démons, vous êtes parti où? Allez au maximum. Le jeûne de Daoud. C'est quoi le jeûne de Daoud? Le fait de jeûner un jour sur deux. Le fait de jeûner un jour sur deux. Allez, salam. Trois jours par mois. Par mes jeûnes tatawwu', surrogatoire, le fait de jeûner trois jours par mois. Et le meilleur. On peut jeûner n'importe quel jour dans le mois. On en prend trois, c'est sunnah. D'accord? Et une autre façon de faire cela, endaman. Naam. Concernant les trois jours. Ahsan. Ayam al-Bir. Yani le 13, le 14 et le 15, les jours de pleine lune. Celui qui veut jeûner trois jours par mois, il peut prendre n'importe quel jour. Mais une autre sunnah, ou le mieux pour tabar cette sunnah, c'est le fait de jeûner le 13, le 14 et le 15.
Le 13, le 14 et le 15. D'accord. Mina sunna ayran, le fait de jeûner le jour de Ashur, Tayyib, et avec un jour avec Na'am. Le jour de Arafa, Ahsan. Et pour ceux, il y a des exceptions pour celui qui est au Hajj, ça peut être Makro, ainsi de suite. Tayyib. Ahsan, le. Maza, Yom al-Ithnain ou al-Khamis, le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Il y a d'autres exemples. Ahsan, les 6 jours après le mois de Ramadan, c'est-à-dire Shawwal. Tayyib, les jours de Shawwal. Tayyib. Le fait, al-Ikhtar min al-Siyam fi shahri Sha'ban. C'est quel mois Sha'ban? C'est le 8e mois de l'année, celui qui est avant Ramadan. Hein? Et Inch'Allah, la khutbah sera sur ça. Tayyib. Hadawa. S'il y a autre chose, ça ne me revient pas. Tayyib. Donc ça c'était le 4e point. Tayyib. Khamisan shurut wujub sawm Ramadan. Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur une personne, cette personne se trouve dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. C'est ce qu'on appelle shurut al-wujub. Les conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, yani la personne ayant réuni ces conditions se retrouve dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. واضح سكلير طيب الشرط الأول الإسلام et cela vous le retrouvez dans à chaque fois الشرط الأول الصيام premièrement donc عفوان premièrement l'islam l'islam le fait d'être musulman le fait d'être musulman إذا الكافر بالله العظيم لا يجب عليه صوم رمضان أو صوم رمضان طيب ولا نأمره بصيام بل نأمره بالإسلام أن يسلم لله رب العالمين وأن يستسلم وأن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم فإذا أسلم أصبح مسلما فنأمره بالصلاة ثم نأمره بالصيام طيب دونك الكافر on ne lui dit pas de jeûner وإن صام صوم باطل et même s'il jeûne son jeûne est باطل il n'est pas accepté chez Allah عز وجل le kafir n'entre pas dans les conditions d'obligation pourquoi parce que ça n'est pas un musulman d'accord on ne lui dit pas de jeûner On ne lui dit pas de jeûner, on lui dit de rentrer dans l'islam. Comme c'est le cas régulièrement, wallahilham. Si quand il rentre, après être entré dans l'islam, on lui dit de prier. On lui dit de prier. Et on lui dit de jeûner. On lui dit ensuite de jeûner. Donc, pour que le jeûne du mois de Ramadan soit obligatoire sur toi, il te faut être musulman. D'accord ? Al-Kafir, on ne lui dit pas de jeûner. On ne lui dit pas de jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. S'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. D'accord ? قال الله سبحانه وتعالى وما منعنا أن تقبل منهم صدقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Il n'y a rien qui nous a empêchés d'accepter leurs sadaqat, leurs aumônes, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son message. Dans Surat al-Tawbah. D'accord ? Ma wajhul istidlal. En quoi ce verset est une preuve pour montrer que le kafir, son jeûne n'est pas accepté ? Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit dans Sharh al-Mumti' As-sadaqa, ici, Allah azza wa jal ne l'a pas accepté. Alors que son naf'a, son utilité muta'addiya, c'est-à-dire que c'est un bien que la personne fait qui se répand sur autrui,
qui a une répercussion sur autrui. Quand le kafir fait une aumône, les gens autour vont en tirer profit. Et pourtant Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté son action. Que dire alors du jeûne de Ramadan, hein, dont le bien est restreint à lui-même, sur sa personne? Est-ce que c'est compris? Si Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté de lui une action dont le bénéfice se répand sur autrui, à plus forte raison, il n'accepte pas son action dont le profit est restreint à sa propre personne. C'est wadah? Donc le kafir, Allah n'accepte pas ses actions. Innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par l'intention. D'accord? On a cité que parmi les conditions d'acceptation des actions, il y a deux choses. Et la première chose, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Donc le mushrik, le kafir, Allah n'accepte pas ses actions. D'accord. In aslam, hal yu'mar bi qada'i ma fatahu min Ramadan? S'il se convertit, est-ce qu'on lui ordonne de rattraper tous les jeûnes qu'il n'a pas jeûné, tous les mois de Ramadan qu'il n'a pas jeûné depuis sa puberté ou pas? Non. Pourquoi? قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire s'ils arrêtent le kufr et le shirk qui rentrent dans l'islam et le tawhid, on leur pardonne ce qui sera passé. Voilà. Donc tout ce qui est passé, on l'excuse, on ne lui demande pas de rattraper. Deuxièmement, dans le hadith de Amr ibn Mada, ibn al-As, lorsqu'il s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ma'alimta ya Amr, anna l'islam yajubbu ma qabla. N'as-tu pas su, Amr, que l'islam efface ce qui est passé avant? Donc, on lui efface ses manquements et ses péchés et il garde ses hasanats. Il garde ses hasanats. Ça te montre ô combien Allah Azza wa Jal est rahim envers ses serviteurs. Subhanallah. Et ça te montre aussi la perfection de ce dîn et que c'est une religion, yani de samah, al-hanifiyatu samha, comme cela a été appelé dans le hadith. C'est une religion d'indulgence. C'est une religion où on facilite les choses aux serviteurs. Une religion où Allah Azza wa Jal ne donne à son serviteur que ce qui est bon et bien pour lui. C'est une religion où on a enlevé la difficulté. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah ne change pas une âme de sa capacité. Yuridu Allah bikum al-yusra. Allah veut pour vous la facilité. La facilité, elle est dans la religion d'Allah. C'est Allah qui nous enseigne où est la facilité. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah sait et vous ne savez pas. Voyez? Donc c'est pas de nous-mêmes que nous allons dire, et ça c'est une facilité. Par exemple, on prie l'asr, à partir de demain on prie l'asr à 16h. Hein? On prie l'asr à 16h parce que c'est une facilité, parce qu'après nous on travaille. On peut le faire ça ou pas? Mais c'est plus facile pour lui. Non? On ne peut pas le faire parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous définit où est la facilité. Voilà. Taïeb. Donc ça c'est la première condition. Al-Islam. La deuxième condition. Al-Taklif. La deuxième condition. Al-Taklif. C'est le fait d'être responsable. C'est le fait d'être responsable. Et ça englobe deux choses. Al-aql wal-bulugh. Ça englobe deux choses. Al-aql wal-bulugh. Donc premièrement, le fait d'être doué de raison. Et deuxièmement, le fait d'être pubère. D'accord. Et avant d'arriver à ce point-là, une chose me revient. Yani, étant un peu plus jeune, il y avait des gens dans notre quartier, parmi les koufars, qui jeûnaient lorsqu'on jeûnait. D'accord. Lorsqu'ils voyaient les musulmans à la khayr, à la rahatin nafsiyya azima, lorsqu'ils voyaient la tranquillité des musulmans, la quiétude qui descendait sur eux, ils voulaient se joindre à ce bien. D'accord. Ou bien pour faire comme le groupe. D'accord. Ou bien pour faire comme le groupe. Il y a beaucoup de musulmans. Voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a un homme qu'on connaît. Il jeûnait. Il jeûnait tout le mois de Ramadan. Wa min al-ajab, parmi les choses étonnantes, c'est que devant un kafir qui jeûne le mois de Ramadan, et un musulman qui mange pendant la journée de Ramadan.
Ajib. Kafir a vu dans l'islam qu'il y avait le bien. Alors il a voulu faire comme eux, il a jeûné. Même les atibas maintenant, même les médecins maintenant, ils prescrivent un saut dans certaines maladies, subhanallah. Voyez. Et comment dire, certaines personnes musulmanes délaissent un siyam. D'accord? Délaissent un siyam. Cette personne qui jeûne, est-ce qu'elle a du hajj? Elle n'a aucune récompense. Parce que c'est un kafir, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas de lui. D'accord? On l'a appelé à l'islam, on l'a appelé à l'islam. Mais au final, il a répondu, je m'en souviens encore, ça fait des années, plus de, elle est proche de 15 ans. Il parlait de sa mère, et ma mère ceci, ma mère cela. Taïb, s'il ne se convertit pas, on verra si sa mère lui sera utile, yom al-qiyam. Yom ayafiru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa bani. Allah musta'an. Taïb. Al-aql, liddou al-junub. La deuxième condition, on a dit que c'est التكليف, le fait d'être responsable, ça englobe deux points. Premièrement, العقل, le fait d'avoir la raison. Le contraire, c'est le majnoun, celui qui a perdu la raison, celui qui est fou. D'accord? Cette personne-là n'est pas obligée de jeûner. Celui qui n'a pas la raison, il n'est pas obligé de jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Nous avons dit que parmi les piliers du jeûne, il y a quoi? Un niyya. Et le majnoun, il n'a pas de niyya. Il n'a pas l'intention. D'accord? Taïb, s'il retrouve la raison, est-ce qu'il devra rattraper tout ce qui est passé comme Ramadan ou pas? Non. S'il retrouve la raison, il devra jeûner à partir du moment où il a la raison. D'accord? En ce qui concerne celui qui par moment a la raison, par moment n'a pas la raison, comment est-ce qu'on fait? Celui qui est majnoun, yani totalement, il ne jeûne pas et son jeûne n'est pas vrai. Mais celui qui par exemple, et majnoun, par exemple, certains jours et certains jours, il est en bonne santé. Il a sa raison. Ben, les jours où il est en bonne santé, on lui ordonne de jeûner. Et les jours où il est majnoun, il ne jeûne pas. Et il n'a pas à les rattraper. Voilà. Ensuite, donc le deuxième point qui entre dans cette catégorie, el-boulo, la puberté. La puberté. El-sirar. D'accord, celui qui est petit ou celle qui est petite n'a pas l'obligation de jeûner. À partir de quand ça devient obligatoire? À partir de la puberté. À partir de la puberté. Et c'est un point très important à connaître. Quels sont les signes qui nous montrent que la personne devient pubère? Le jeune garçon ou la jeune fille devient pubère par, ou bien le jeune nam, par une de trois choses. J'ai bien dit par une de trois choses, pas par trois choses. C'est pas l'union de ces trois choses qui vont indiquer la puberté de la personne, mais une seule chose suffit. D'accord? Nabd al-aam. Yani l'apparition, premièrement l'apparition de poils au pubis, en bas. C'est clair? L'apparition de poils au pubis, en bas. Donc la jeune personne qui voit cela, considérée puberté. Un deuxième point qui marque la puberté de la jeune personne, c'est inzal al-mani bi shahwa. La personne qui a l'écoulement du liquide, akramakumullah, ce qui est entendu par le liquide, c'est le sperme, avec désir et plaisir, elle est puberte. Que ce soit dans son sommeil, dû à un rêve, ou que ce soit réveillé. En général, dans les livres de fiqh, on trouve l'ihtilam. Pourquoi? Parce que ghaliban, en général, la plupart du temps, ça arrive la première fois à la personne alors qu'elle est en train de dormir. Donc celui ou celle qui a la maza, l'écoulement de celui qui, avec plaisir, à ce moment-là, on dit qu'elle est devenue pubère. C'est wadah, que ce soit un homme ou une femme. Taïb, que ce soit un jeune garçon ou une jeune fille. Taïb, nabt sha'ar, hein. Ensuite, itmam khamsata ashara sana. Khamsa ashara tasana. Le fait de compléter 15 ans. 15 ans.
Quand la personne a complété 15 ans, donc elle va sur sa 16e année, elle est pubère. Donc si on n'a pas vu le premier signe, ni le deuxième signe, et que la personne atteint 15 ans révolus, d'accord ? C'est bien comme ça qu'on dit ? Naam ? À ce moment-là, on dit qu'elle est pubère. Même si elle n'a pas vu les autres signes. Car, j'ai dit et je répète, qu'un seul de ces signes suffit. Qu'un seul de ces signes suffit. Voilà. Pour les jeunes filles, il y a un signe en plus. Qui est Al-Hayl. Qui est Ma'adha, l'apparition des menstrues, des règles. Donc la jeune fille qui a pour la première fois ses menstrues, ses règles, elle devient pubère. Elle devient pubère. Celui qui a une, celui ou celle qui a un de ces points est pubère. Il doit donc jeûner le mois de Ramadan. D'accord. Celui qui dit ma fille a eu ses menstrues, mais elle n'a que 10 ans. Qu'est-ce qu'on lui répond? Il dit elle est petite. Et par exemple, elle a un petit gabarit, ou elle est encore une enfant, elle joue, hein, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on lui répond? Le fait qu'elle soit petite de taille, le fait qu'elle soit encore une enfant, dans sa tête, ainsi de suite. Vous voyez? Même s'il y a des femmes qui sont encore enfants dans leur tête, mais il y a aller dans le sens, elle pense que à jouer, elle n'a pas le caractère d'une femme, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit c'est bon, et Ali, Inch'Allah, elle jeûnera dans 2 ans. Ou on lui dit c'est Allah Azza wa Jal qui a défini la puberté de son serviteur. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. D'accord ? Et dans l'islam, on a décidé qu'à partir de du moment où la femme ou la jeune fille a ses menstrues, c'est une femme et donc elle doit jeûner à Ramadan. Donc même si elle a 10 ans, même si elle a 10 ans, elle devra jeûner le mois de Ramadan entièrement. Elle devra jeûner entièrement. Qu'est-ce qui me rappelle les points qui par lesquels on reconnaît la puberté de la personne. Non. Poil au niveau du pubis. Ensuite, le fait de dépasser 15 ans. Non. L'écoulement du liquide avec désir ou shahwa, plaisir. Non. Et pour la femme, pour la fille, les mensonges. Voilà. Pas. Ça, c'était le deuxième point qui rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Le troisième point, Al-Qudra, la capacité. Al-Qudra, la capacité. Afan, j'ai oublié de citer le dalil. La preuve du pour le taqlif, c'est-à-dire de la raison et de la puberté, c'est le hadith de Ali et d'autres qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rufi al-qalam an thalaf. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la plume a été levée pour 3 catégories. Et parmi ces 3 catégories, il y a qui? Naam. Al-Majnoun. Il y a qui encore? Al-Sarir, taïb. Al-Na'im hatta yastayqi. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Al-Majnoun hatta yuqi. Celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et Al-Sarir hatta yablugh. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc de ce hadith, on tire que l'enfant et celui qui n'a pas la raison n'est pas dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Voilà. L'enfant qui n'a pas atteint la puberté, le petit garçon ou la petite fille, s'il jeûne, est-ce que le jeûne est accepté ou pas? Lui, il a dit non. Toi, tu as dit oui.
طيب là c'est une divergence ça hein? Une divergence. Quand on diverge, qu'est-ce qu'on fait? On revient au Coran. Que au Coran et à la Sunna. طيب. Avec la compréhension de qui? Des pieux prédécesseurs. Ahsan. Quelle est la preuve de ça? L'attachement sans faute pour l'instant. Si vous divergez dans une chose, ramenez-la à Allah et madai au messager. Ramenez-la à Allah dans le tafsir, ça veut dire au Coran. Et au messager, ça veut dire deux choses. De son vivant, allez le voir lui, lui poser la question, et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, revenir à sa sunna. Taïr. Si le jeune, si l'enfant jeune, hein, on regarde. Est-ce qu'il a atteint sin tamyiz ou pas? Est-ce qu'il a atteint l'âge de la distinction ou pas? S'il est en dessous de l'âge de la distinction, on dit que ça ne passe pas. S'il a dépassé l'âge de la distinction, sin tamyiz, on dit que son jeune est valable. Voilà. On a conditionné quoi? Comme la salat. On a conditionné quoi pour que le jeune passe? Al-niyya. D'accord? Al-niyya. Si tu mets un enfant de 3 ans dans les rangs, comme certains frères, Allah aidez-vous, font, ils viennent avec leurs enfants de 3 ans ou 2 ans et le mettent dans le rang. D'accord? L'enfant, au bout de quelques secondes, il va devant, il va derrière, il va à droite, il va à gauche, ensuite il revient, il fait le recours à l'envers, kadok. Yaani kayf? Tu le mets dans le rang. Tu ne peux pas le mettre dans le rang. Il n'est pas mauvais, il ne distingue pas ce qu'il fait, le bien, du mal, le beau, du ainsi de suite. D'accord? Celui que tu mets dans les rangs, c'est celui qui sait se tenir, qui comprend. Quand tu lui parles, il comprend et il peut te répondre, ainsi de suite. Moumeïd. D'accord? Et c'est autour de 7 ans. C'est autour de 7 ans. Certains savants disent qu'il n'y a pas d'âge vraiment défini. Certains sont moumeïd plus tôt. D'accord? Wallahu a'lam. Donc, le jeûne de l'enfant est valable s'il a atteint sin tamyiz, s'il distingue, il a atteint l'âge de la distinction. Et les sahaba radiallahu anhu entraînaient leurs enfants à jeûner depuis leur plus jeune âge. Et c'est ainsi que les salaf ont grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Une femme montre son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ya Rasulallah, allez, hada hajj. Al hajj, subhanallah. Est-ce que celui-ci a un hajj? Un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Naam, walaki ajr. Oui, et tu seras récompensé. Les savants ont dit: c'est quoi la faïda de faire le hajj à un enfant alors qu'il ne distingue même pas encore et ainsi de suite? Ils ont dit: le fait de le ramener dans le bien, ce sera une cause pour qu'Allah le wafak quand il va grandir. Tu l'amènes au masjid, tu l'amènes lorsque tu vas visiter quelqu'un de pieux, tu l'amènes avec toi. Et comme ça, il va grandir dans le bien. Il va grandir dans le bien. Tayyib. Donc, ce qu'il faut regarder pour l'enfant, c'est être tamyiz. Est-ce qu'il atteint l'âge de la distinction ou pas? Et lorsque le jeune était lourd pour eux, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait des jouets. Pour patienter en attendant le Maghrib. Pour patienter en attendant El Maghrib. Mais les savants ont dit une remarque, ils ont dit que c'est pour l'enfant qui supporte. L'enfant qui ne supporte pas, on ne lui dit pas de jeûner. On entraîne ceux qui supportent. D'accord? Et aujourd'hui, wallahalhamd, les petits ont tout ce qu'il leur faut. Eux, avant, ils n'avaient pas vraiment de quoi manger, ceci et cela. Au jour d'aujourd'hui, regardez. Les petits de 15 ans, on dirait qu'ils ont 30 ans. Voyez, les petits de 12 ans, on dirait qu'ils ont 25 ans. Ils prennent un petit déjeuner, ils prennent autre chose, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, avant le midi, ensuite ils prennent le déjeuner, ensuite ils prennent avant le 4 heures quelque chose, ensuite on leur donne un goûter pour partir à l'école, ensuite ils rentrent et ils reprennent un goûter, ensuite quand ils rentrent à la maison. C'est pas la vie, leur vie n'est pas rythmée aux heures des salawat, elle est rythmée aux heures des ma'koulat. Taïb, ta'am, du ta'am, du ta'am, du ta'am. Wallah musta'an. Et un des plus prédécesseurs, Allahu alayhi wa sallam, c'est Omar, radiallahu anhu, un autre,
avait un homme qui avait bu ou qui jeûnait pas pendant la journée de Ramadan. Il lui a dit, ouais, malheur à toi, tu ne jeûnes pas alors que nos enfants jeûnent. Ni leurs enfants jeûnent. Si ça c'est le cas pour un siyam, que pensez-vous de la salat? Que dire de la salat? S'il les entraînait depuis tout petit à siyam, que dire alors de la salat? Sans aucun doute. Et yani, ils ont commencé très tôt la salat. C'est pour ça qu'ils lui ont accordé la plus grande importance. Le point suivant, al-qudra, la capacité. La capacité. C'est le troisième point, c'est ça? Al-qudra. Donc le contraire, c'est l'incapacité. Al-ajz. Ou al-ajz ala qismayn. L'incapacité se divise en deux. Il y a l'incapacité passagère et l'incapacité de longue durée. L'incapacité passagère, celui qui est malade, on espère sa guérison. Et entre dans cela la femme enceinte ou qui allaite. Et le deuxième cas, maladie, l'incapacité de longue durée. Maladie dont on n'espère pas la guérison. Taïb. Comme maladie de soukar, le diabète ou cancer et d'autres. D'accord? Ça va, c'est une maladie de longue durée. Taïb. La personne qui a une maladie passagère, qu'est-ce qu'on lui dit? Quelqu'un vous voit, vient vous voir et vous dit, je suis malade. Dans la journée, il vient, ça va être Ramadan, il dit, je suis malade, qu'est-ce que vous lui dites? Yuftir, wa yaqdi ba'da dhalik. Donc le frère dit, on lui dit, coupe ton jeûne et tu rates. Vous êtes tous d'accord? Non. Mal marad. Ahsan. Donc, on lui dit, allez, kabissou. On lui dit, jeûne. J'ai mal aux pieds, jeûne. J'ai mal. On lui dit, jeûne. Et il vient, il nous dit, je suis malade. On lui dit, shafakallah. Jeûne. Voilà. S'il dit je peux pas jeûner, à ce moment-là on commence à discuter avec lui. Vous avez compris? C'est pas toute maladie qui permet de rompre le jeûne, de ne pas jeûner. C'est la maladie qui rend le jeûne qui rend la personne dans l'incapacité de jeûner, ou elle a la capacité de jeûner physiquement, mais ça va empirer sa maladie ou retarder sa guérison. Donc tout cela est considéré incapable religieusement parlant. Vous avez compris? Car l'incapacité, soit elle est réelle, comme quelqu'un à qui on dirait prie debout, mais il n'a pas de jambes, il ne peut pas prier debout. Ou quelqu'un qui est malade, il peut se tenir debout, mais ça va lui faire du mal. Ben lui, dans l'islam, il est considéré comme étant incapable. Parce que l'islam, c'est une religion de rahma, pour ceux qui la méritent. Donc, la personne qui n'a pas la capacité de jeûner, on lui dit, tu ne jeûnes pas, tu notes les jours et tu les rattraperas lorsque tu pourras jeûner. Est-ce que c'est clair? On lui dit, ne jeûne pas, note tes jours et tu rattraperas ces jours lorsque tu pourras jeûner. Ah non. Ça, c'est pour celui qui a une maladie passagère. À bien retenir que celui qui est malade mais qui peut jeûner est obligé de jeûner. Et des fois, il y a des maladies qui n'ont aucun rapport avec le jeûne de la personne. Celui qui, par exemple, a une plaie au doigt, c'est un rapport avec l'imsak? Aucun rapport. D'accord? C'est aucun rapport. Celui qui dit, Ali, j'ai mal là, je jeûne pas. Pourquoi je jeûne pas aujourd'hui? J'ai mal au doigt, j'ai mal au pied. C'est quoi le rapport entre cette douleur et Siyam Ramadan? Aucun rapport. Ces gens-là ont l'obligation de jeûner. En ce qui concerne la maladie de longue durée,
voyez, s'il ne peut pas jeûner, d'accord, s'il ne peut pas jeûner comme ceux qui prennent des médicaments dans la journée et ne peuvent s'en passer, voyez, pour chaque jour il devra nourrir un pauvre. Voyez, et pour chaque jour il devra nourrir un pauvre. Ah. Comment est-ce que la personne va nourrir un pauvre? Et quelle est la mesure? Et est-ce qu'elle doit nourrir chaque jour un pauvre? À partir de quelle heure elle peut faire cela? Est-ce qu'elle peut attendre une semaine et nourrir cette personne en même temps? Est-ce qu'elle peut retarder cela jusqu'à la fin du mois? Tous ces masailles-là ont été développés dans les livres de fiqh. Ce qui incombe à la personne, c'est un repas où la personne sera rassasiée. Voilà, ça compte un jour. Un repas où la personne sera rassasiée. Est-ce qu'on conditionne d'avoir de la viande? Est-ce qu'on conditionne tel repas? Non, on conditionne rien. Si ce n'est que les savants ont dit, celui qui ne prépare pas la nourriture et donne les denrées alimentaires ainsi, parmi l'ihsan, la bonne chose à faire, c'est de lui mettre aussi de la viande. Mais sinon, le mieux, sans aucun doute, c'est de préparer, de ramener la nourriture, ou bien d'inviter les gens. En ce qui concerne le temps, tu peux soit faire yom biyom, donc chaque soir, tu nourris un peu, jusqu'au 29e jour ou 30e jour. Tu peux faire deux jours, deux par deux. Tu peux faire semaine après semaine, ou tu peux même attendre la fin du mois et nourrir 29 ou 30 pauvres, comme le faisait Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala. Est-ce que c'est clair? Souvent cette question revient. Si je vais au grec et que j'achète un grec à la personne, 6 €, est-ce que ça compte pour un repas ou pas? Oui, ça compte pour un repas. D'accord, ça compte pour un repas. Taïb. À partir de quand tu peux nourrir le pauvre pour ce jour que tu n'as pas jeûné? Les savants ont dit à partir du fajr. À partir de l'entrée du fajr. Pourquoi? Si tu le fais avant, tu auras nourri avant de ne pas avoir jeûné. Et quand tu nourris, ça remplace quoi? Un saum. Et saum commence quand? Au fajr, ba'd al-fajr. Alors tu ne peux pas nourrir avant l'entrée du fajr. Est-ce que c'est wadih? Parce que lorsque tu nourris, c'est pour remplacer quoi? As-siyam. As-siyam commence à partir du fajr. Naam. Naam, akhana. Celui qui rattrape des jours, celui qui a des jours à rattraper, est-ce qu'il peut choisir les jours? Est-ce qu'il peut jeûner par exemple en hiver car les jours sont plus courts? Il fait comme il le veut. Il fait comme il le veut, mais il a l'obligation de rattraper ses jours avant Ramadan. Il a l'obligation de rattraper ses jours avant Ramadan, avant l'entrée du mois de Ramadan. Dans le cas contraire, il aura pris des péchés. Celui qui attend l'entrée de Ramadan et dit je n'ai ni telle ou telle excuse, il est dans le péché. Est-ce qu'il a le droit de séparer ses jours? Par exemple, celui qui a 20 jours, est-ce qu'il a le droit de jeûner 2 jours ici, 3 jours ici? Naam. D'accord? Il fait yani comme il le veut. Mais le mieux c'est de s'empresser de les rattraper. Le mieux, c'est de s'empresser de les rattraper, parce que c'est abra les dhimmah, parce qu'il se sera acquitté de son obligation, et on ne sait pas de quoi demain est fait. La personne est en bonne santé aujourd'hui, elle peut tomber malade demain. Tayyib. Ah, qu'adam, on ne sait la personne, il y a ni combien de personnes en parfaite santé, tu les revois quelques mois après en étant malade. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, pour la preuve,
ce que nous venons de citer, ayyaman ma'aduda, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc Allah dit dans le Coran, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ça, c'est le verset 184 de Sourate Al-Baqarah. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire qu'avec grande difficulté, donc le jeûne, il y a une compensation. Al-Kafara, nourrir un pauvre. Taïb, nourrir un pauvre. Voilà pour cette mas'ala. Taïb, celui qui veut la condition suivante, elle est iqama. La condition suivante, elle est iqama, le fait d'être résident, de ne pas être voyageur. Al-musafir la yajibu alayhi an yasum fi safari wa in sama sawmun sahih wa in aftar fa alayhi idha raja'a fi biladihi ay yasum ma aftara fihi min al-ayyam. Celui qui est en voyageur n'a pas l'obligation de jeûner. Mais s'il jeûne, son jeûne est accepté. D'accord ? Certains savants disent que c'est obligé de couper son jeûne en voyage. Mais l'avis qui est retenu parmi l'avis des savants, c'est qu'il peut jeûner. S'il jeûne, son jeûne est valable, accepté. Parmi les preuves également, c'est que les sahaba disent كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فكان منا المفطر ومنا صائم ولا ينكر احدنا على الاخر. Nous étions en voyage, parmi nous certains jeûnaient, parmi nous certains ne jeûnaient pas, et personne ne faisait de reproche à personne. Ça prouve quoi ça? Qu'en voyage, il n'a pas l'obligation de jeûner. Mais maintenant, quel est le mieux pour le voyageur? C'est de jeûner ou de rompre son jeûne? Ajl afdal lil musafir ayasum am yuftir? Naam. Alla yasum. Tayyib. Man indahu ghayr? Hada. De jeûner. Tayyib. Ça fait combien d'avis? Ça fait deux avis. C'est une divergence? Naam. Comment on fait en cas de divergence? On revient au Coran? À la sunna, avec la compréhension avec les frères et sœurs. la prochaine fois que je vous interroge, Inch'Allah, vous allez rajouter le verset. Il manquait deux choses, là vous allez rajouter une chose. Ça veut dire qu'au prochain cours, vous allez venir avec les versets, Inch'Allah. Les savants ont dit, le mieux pour lui, c'est de faire ce qui lui est le plus facile. Comme a dit Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Donc certains savants disent que de jeûner en voyage c'est détestable. De jeûner en voyage c'est détestable. Pourquoi? Parce que le prophète sallam un jour a dit aux compagnons, ça ne fait pas partie de la piété. Il a vu un homme s'évanouir, et il l'a demandé à son sujet, on lui a dit qu'il jeûne. Il a dit, laysa min al-birr. Ça ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner en voyage. Aussi, le prophète sallam a dit Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa. Allah azza wa jalla aime qu'on prenne les facilités qu'il nous a accordées. Donc Allah nous a facilité le fait d'enlever l'obligation du jeûne pendant le voyage, alors le mieux c'est de ne pas jeûner. Ça, c'est l'avis d'un groupe de savants. Ils disent donc que c'est makruh de jeûner en voyage. Le deuxième avis, ils disent que c'est interdit. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Maza, fa'iddatun min ayyamin ukhra, il devra rattraper un nombre de jours égal. Donc,
c'est pas valable son jeûne, même s'il jeûne, parce qu'il devait couper son jeûne comme Allah dit dans le Coran. Et l'avis le plus plausible est de dire que il fait ce qui lui est le plus facile. En ce qui concerne les hadiths qu'on a cités avant, la personne ne supportait pas le jeûne. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, ça ne fait pas partie de la piété. Mais celui qui supporte, celui pour qui ça n'est pas trop difficile de jeûner en voyage, il jeûne, il n'y a aucun problème à cela. Il jeûne, il n'y a aucun problème à cela. Donc la personne qui nous demande conseil, on lui répond, quel est le plus facile pour toi? C'est de jeûner durant ton voyage, pendant le mois de Ramadan, ou bien de rattraper après ton retour? S'il nous dit, ah non, voyage c'est difficile, kaza wa kaza, on lui dit, alors jeûne lorsque tu seras de retour. S'il nous dit, ah non, rattraper les jours pour moi c'est difficile parce que je jeûne tout seul, et ainsi de suite, on lui dit, alors jeûne en voyage. D'accord. S'il nous dit de faire la première chose, la deuxième chose, ça m'est égal. C'est la même difficulté pour moi, ou bien, na'am, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? Il y a la même difficulté. On lui dit de jeûner, c'est mieux. Limada. C'est la même difficulté. C'est la même difficulté. Comme ça, il est tranquille. Comme ça, il est tranquille. Aïe, vous êtes tous d'accord sur ça? Non, toi, t'es trop loin. Toi, t'es trop loin, j'entends pas d'ici. Aïe, ouais. Celui qui est loin, j'entends pas ces questions. Ça, vous entendez vous? Non, non, vous non plus. Pareil, non, on entend. C'est mieux qu'il attende. Pourquoi? Comme ça, il pense qu'Allah Azza wa Jalla a facilité. Ami, tu vois, fais quoi? T'es pas d'accord avec toi. Pareil. Si il y a la même difficulté, s'il y a la même difficulté, le mieux c'est qu'il jeûne. Le mieux c'est de jeûner. Pourquoi? Pour plusieurs sagesses. Premièrement, s'il jeûne pendant son voyage, il aura jeûné pendant quel mois? Pendant Ramadan. Et de jeûner pendant Ramadan, c'est mieux que de rattraper les jeûnes de Ramadan en dehors du mois de Ramadan. Parce que le meilleur mois de l'année, c'est lequel? C'est le mois de Ramadan. Premièrement. Deuxièmement, c'est Abra les Dimadi. Il leur a enlevé la charge. Parce que tant qu'il n'a pas rattrapé ses jours, c'est une dette. Alors que s'il jeûne durant le mois de Ramadan, même malgré qu'il est en voyage, il se sera acquitté de sa responsabilité. Donc, deuxièmement, il se sera déchargé plus rapidement de sa responsabilité. Alors le mieux c'est qu'il jeûne durant le mois de Ramadan, pendant son voyage. Troisième sagesse que les savants ont citée, يكون قد صام مع الجماعة وهذا أيسر. Aussi, il aura jeûné avec le groupe. Et de faire une adoration en groupe, c'est plus facile que de faire l'adoration tout seul. Ça, tu arrives à jeûner 30 jours sans te plaindre, et lorsque tu jeûnes, yani quand tu rattrapes, juste un jour, yani t'es fatigué, ceci et cela, les gens mangent autour de toi, ça peut être difficile. Parce que t'as plus l'ambiance, la même ambiance que durant le mois de Ramadan. Voyez. Donc voici certaines sagesses qu'ont cité les savants parmi Ibn Abidin rahimahullahu ta'ala concernant le fait de jeûner pendant le voyage pour celui qui a la même difficulté que ce soit en voyage ou après son retour. Le dernier point, min shurut al-wujub, parmi les conditions de l'obligation. Je m'excuse, je reviens sur le point passé. Celui qui, par contre, est en voyage, mais dans un pays musulman. D'accord? Il est en voyage dans un pays musulman. Est-ce qu'il peut manger au grand jour dehors, en journée de Ramadan? Il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que le musulman doit préserver son honneur. Le musulman doit préserver son honneur. On va penser quoi? On va penser qu'il ne jeûne pas. D'accord? On va penser qu'il ne jeûne pas et on va parler sur lui. Et le musulman doit préserver son honneur. On ne dit pas comme certains ignorants, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, wakada wakada. Non. Taïb hada fi tafsir. Le prophète sallam a dit, il n'a sa fille. Le prophète sallam marchait la nuit avec son épouse, il l'a raccompagnée alors qu'il était en itikaf la nuit, il l'a ramenée chez elle, il a croisé deux compagnons. Il leur a dit, attendez, c'est sa fille. Ils ont dit, ya Rasulallah, subhanallah, comment est-ce qu'on pourrait penser du mal de toi? D'accord? Un homme, une femme, la nuit.
Mais là, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est Sayyid Waladi Adam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons se sont exclamés ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, certes le fils d'Adam, Maza coule comme le sang dans les veines, certes le diable coule, ou bien court dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Ok, maqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De ce hadith, les savants ont tiré le fait d'éclaircir lorsque la situation n'est pas claire et de ne pas se mettre dans une situation Mada, comment dire ça en français, douteuse. Comme quelqu'un, par exemple, on va dire qu'il y a telle rue ou tel boulevard ou tel endroit qui est connu pour un péché particulier, comme l'alcool ou comme la fornication ou comme. D'accord. Un musulman, d'accord, évite ces endroits, même pour passer, même de passage. Il évite cet endroit pour pas se retrouver dans une situation douteuse. D'accord. Donc le musulman, il fait attention. Il n'ouvre pas sa bouteille d'eau en plein milieu de la journée, au milieu du masjid ou autre, et il boit. Et dit, on a vu en dars avec le frère que Mada, moi je suis musafir, le plus facile pour moi c'est de couper mon jeûne, revenez au dars. Non. Dans le dars, on a aussi dit, il faut la hikma, ça. Mada, barakallahu fik. Est-ce que cette question elle est claire ou pas? Non. Celui qui fait la Amra, non. Il part de Médine à Mecca. Ouais. طيب, celui qui est de Mecca peut faire aussi la Amra. Mais non, dans cette situation, je vois ce que tu veux dire. Celui qui est Amra, l'Amra Aïssar, là c'est plus simple. Pourquoi? Parce que les gens viennent du monde entier, donc on sait. Et allez, on sait que les gens sont en voyage, et ainsi de suite. Ça, c'est un cas particulier, celui qui est à Mecca ou à Al-Medina, ainsi de suite. Ça, c'est plus. Yani, c'est plus simple. D'accord? Ça, c'est plus simple. Tout le monde sait que. Yani, les gens viennent du monde. C'est pour ça que je n'ai pas dit Mecca ou Al-Medina, j'ai dit un pays musulman. Voilà. Tayyib. Donc, Al-Mada, Al-Khulu min al-Hayd wa al-Nifas. La dernière condition qui rend obligatoire le jeûne, c'est une chose propre aux femmes, c'est l'absence de menstrues, de règles et de lochi. Et lochi, c'est ce qui vient après l'accouchement. Donc, on comprend quoi de ça? Que la femme qui a ses menstrues ou ses lochi ne peut pas jeûner. C'est haram pour elle de jeûner. Si elle jeûne, elle prend des péchés. Si elle jeûne, elle prend des péchés. Voilà, son jeûne n'est pas accepté et en plus de cela, elle prend des péchés. C'est grave de faire ça. Même si elle jeûne et que une seconde avant le maghreb, une minute avant le maghreb, elle a ses menstrues, elle coupe son jeûne. Khalas. Elle continue pas, elle dit il reste quelques secondes, quelques minutes. Non, khalas. Elle devra rattraper ce jour. Tout comme si elle se purifie une minute avant le fajr, elle devra jeûner ce jour. Voyez. La preuve de cela, c'est le hadith d'Aïcha. Taïb. Mada, lorsque cela nous arrivait, c'est-à-dire les menstrues, on nous ordonnait de rattraper le jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper les salawats. Taïb aussi le hadith. Maraïtu minna qisati aqlin wa dinin, azhabali yudbir rajul al-hazm. Je n'ai jamais vu des personnes ayant un manque de raison et de religion, ayant autant d'emprise pour faire partir la raison de l'homme déterminé. On parle des femmes. Alors, les femmes ont dit à Rasulallah, d'où vient le manque de aql et de din? Le prophète sallam a répondu que le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. D'accord? Comme c'est dans le Coran. Si une d'entre elles oublie, la deuxième pourra lui rappeler. Et concernant la religion, n'est-ce pas que lorsque vous avez vos menstrues, vous délaissez le jeûne et vous délaissez la prière? Donc de ces deux textes, on tire quoi? Que la femme n'est pas dans l'obligation de jeûner lorsqu'elle a ses menstrues ou bien ses lochi. Et de plus, cela lui est interdit. Voilà. Avec cela, on a donc vu, premièrement, qu'est-ce qui nous résume le cours? Non. Non. Il y a les thèmes du cours, le plan. On a commencé par quoi? L'explication de Siyam, la définition. Premièrement, la définition dans la langue arabe. On a vu que c'est l'imsak. Ensuite, on a vu la définition religieusement. Al-ta'abbudu lillah. Min sharsin marsous. Maza bil imsaki anil akli wa shurbi
وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc, premièrement, on a vu les définitions. Deuxièmement, on a vu quoi? Les deux piliers. Le premier pilier, c'est Al-Imsak, la retenue. Le deuxième pilier, Al-Niyya, l'intention. Troisièmement, nous avons vu les types de jeûne. Les types de jeûne. Premièrement, Al-Wajib. Deuxièmement, surrogatoire, Tatawwu'. Et les types de jeûne obligatoires, il y en a trois. Ramadan, Al-Kafara et Al-Nadr, les vœux. Et surrogatoire, il y en a plein, comme 3 jours par mois, comme 13, 14, 15, lundi et jeudi, Arafah, Ashur, ainsi de suite. Puis, après cela, nous avons entamé et fini sur Shurut, Wujub, As-Sawm, les conditions qui, lorsqu'elles sont réunies sur une personne, cette dernière se retrouve dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. La première condition, donc il y a combien de conditions? 5. D'accord? La première, l'islam, le kafir, son jeûne n'est pas accepté. Et s'il se convertit, on lui ordonne de jeûner, mais pas de rattraper ce qui est passé. La deuxième condition, at-taklif, la responsabilité, s'englobe deux points. La raison et la puberté. Troisième point, al-qudra, la capacité. Et on a vu que l'incapacité se divisait en deux, celle qui est passagère et celle qui est de longue durée. Celui qui a une incapacité passagère, qu'est-ce qu'il fait? Il note et rattrape. Il note et rattrape. Pourquoi est-ce que je dis toujours noter, noter? Parce qu'on oublie beaucoup. Subhanallah. Ça arrive tous les ans. J'ai oublié combien de jours? J'ai oublié. Faut noter. D'accord? Faut noter. Mada al-aql et tayyib. Celui qui a la capacité passagère, il ne jeûne pas. Note et rattrape. Celui qui a la capacité de longue durée, il devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Tayyib. La capacité de longue durée, j'ai oublié aussi. Ça englobe celui qui est al-kabir, al-shaykh, al-kabir, celui qui est âgé, qui n'a plus la capacité de jeûner. D'accord? J'ai oublié ce point-là, alhamdulillah, m'a rappelé. Ensuite, on a vu les différentes façons de nourrir le pauvre. D'accord? Soit préparer le repas et lui donner, ça doit être un repas par lequel il sera rassasié. Soit lui donner la nourriture comme ça, sans la préparer. Et il convient dans ce cas de donner de la viande. Enfin, en ce qui concerne la femme enceinte, la femme qui allait, toutes ces questions-là viendront plus tard, inshallah ou ta'ala. Et si j'oublie, vous me le rappelez. Mada, la condition suivante. Comment? Le fait d'être résident. Al-iqama, le fait de ne pas être voyageur. Le voyageur a le choix. S'il veut le jeûne, s'il veut le coupe son jeûne. Si de jeûner pour lui c'est trop dur et ça atteint sa santé, ainsi de suite, c'est haram qu'il jeûne. Si c'est difficile, c'est makruh, c'est détestable. Et si ça lui est plus facile ou égal, alors c'est une bonne chose qu'il jeûne. Il a la permission de jeûner, son jeûne est valide. Tayyib, valable. Et la dernière condition, c'est l'absence de menstrues et de lochi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Tayyib, au cours suivant, au cours prochain, inshallah ta'ala, on verra comment juger de l'entrée du mois ainsi que de sa fin. Comment savoir que le mois de Ramadan est rentré? On commencera le prochain cours par cela. Mada, je vais m'absenter, donc il n'y aura pas cours jusqu'à vendredi prochain. Donc demain il n'y a pas cours, jeudi de la semaine prochaine il n'y a pas cours, et probablement vendredi il y aura cours. D'accord? Donc je serai là à partir de vendredi matin, inshallah تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.